Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo spéciale Goodreads. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je vous avais dit que j'allais refaire mon challenge spécial Goodreads Choice Awards, donc pour l'année 2023. Pour celui de cette année, je vous ferai un petit bilan du coup dans les vidéos, bilan qui vont arriver début janvier. Mais là, du coup, je souhaitais vous présenter un petit peu les titres que je me suis notés pour refaire ce challenge en 2023. Si jamais vous ne connaissez pas, Goodreads, c'est une plateforme de type livre addict où en fait il y a tous les ans des awards et vous avez plusieurs catégories. Vous avez une catégorie fiction, des catégories poésie, fantasy adulte, fantasy young adulte. Vous avez plein de catégories comme ça. Et pour chaque catégorie, en fait, les gens pour pouvoir voter, vous avez plusieurs tours, un tour d'élimination, un tour où il y a les finalistes et après le vainqueur est annoncé. Alors moi j'avais vu l'idée de cette vidéo sur la chaîne de Books with Emily Fox, qui est une booktubeuse que j'adore, et du coup je me suis décidée à faire cette vidéo également depuis l'année dernière. Et donc je vais piocher cette fois-ci parmi les finalistes qui ont été annoncés. J'ai pas envie de prendre uniquement le vainqueur parce que des fois c'est clairement un petit concours à la popularité et du coup le vainqueur ne représente pas forcément le meilleur livre en fait de la catégorie, mais j'avais bien envie de choisir parmi les finalistes qui ont déjà été annoncés. Donc j'ai pris les catégories qui m'intéressent, j'ai pas pris toutes les catégories, comme je vous l'avais expliqué, tout ce qui est poésie, autobiographie, enfin tout ce genre là moi j'en lis pas, donc je vais pas me forcer en fait à en lire. Donc je vais vous présenter un petit peu les titres que j'ai choisis pour les catégories que je veux découvrir. Donc je vais vous présenter à chaque fois plusieurs titres parce que j'ai pas envie de me restreindre à mettre qu'un seul titre pour les catégories, comme ça j'aurai le choix et si jamais il y a un titre qui au final au fur et à mesure de l'année ne m'intéresse plus, ben je prendrai le deuxième ou le troisième choix. Il y a certaines catégories où j'en ai mis quand même pas mal, je crois que c'est 6 le maximum. Parce qu'il y avait pas mal de titres que je voulais découvrir et il y en a d'autres. Je suis triste parce que j'avais déjà noté des idées de titres à découvrir dans cette catégorie mais qui n'ont pas été jusqu'au rang des finalistes. Donc je me suis noté mais je les découvrirai hors challenge Goodreads. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu les titres. Alors je vais pas vous faire de résumé à chaque fois pour les titres parce que je vous pourrais les présenter quand je vais vous en reparler en boucle, quand je vais les lire, donc je vais vous en reparler très très vite sur la chaîne, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur n'importe quelle plateforme. De toute façon, il y a des titres qui sont déjà publiés en français, d'autres non, mais je pense que ça va arriver en 2023. Donc voilà, je suis aussi plus confiante cette année de faire les Goodreads Choice Awards donc de 2022, mais moi je vais les lire pendant l'année 2023. Parce que l'année dernière, cette année en 2022, j'ai quasiment pas lu en anglais, je m'y suis remise vraiment en fin d'année. Et donc là, je me suis dit que ce serait plus facile pour moi de faire ce challenge puisque j'ai un challenge que je vous ai présenté dans une autre vidéo qui consiste à lire un livre en anglais par mois. Donc si jamais c'est des livres, si jamais il y a des livres que je vais vous présenter dans cette vidéo qui ne sont pas sortis en français, ben je pourrais les découvrir directement en anglais. Donc ça, c'est chouette. Donc on va commencer avec la première catégorie que je me suis notée, c'est la catégorie fiction. Et là, je me suis retenue trois titres. Le premier, c'est To Paradise de Anya Anagihara. Forcément, ce titre-là, je ne pouvais pas ne pas le mettre. J'ai trop envie de le lire, il est déjà sorti en français. C'est une énorme briquette. Je me suis mis d'ailleurs dans ma liste des gros livres à lire en 2023 parce que c'est obligé que je le lise celui-là. Sinon, je me suis également noté deux autres titres de base, il y a la couverture pour le deuxième qui est Other Birds de Sarah Addison Allen. J'avais lu le résumé, ça me tentait plutôt bien et la couverture a fini par me convaincre. Et il y a également Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabrielle Zevin, ou Zevin, je pense Zevin, qui a fait un peu le buzz. Je l'ai vu pas mal sur les réseaux et du coup je me suis noté celui-là. Je re-regarderai de quoi ça parle parce que j'avais vu vite fait. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant, donc je me suis mis dans cette catégorie pour le lire. Mais voilà, je me suis noté les trois. Alors clairement le Anya Anagihara va être lu l'année prochaine, mais les deux autres ce sera en bonus. Peut-être que j'attendrai de voir des avis et j'attendrai également peut-être si ça sort en format paperback parce que moi j'aime bien ce format là. Donc voilà pour la catégorie fiction. Pour la catégorie mystery thriller, j'ai mis trois titres. Alors j'ai mis un titre de Gillian McAllister et c'est à cause de Emily Fox parce qu'elle l'a présenté comme l'un de ses thrillers préférés de l'année. Donc je me suis laissé tenter. C'est Wrong Place, Wrong Time. Il a également fait partie du book club de Reese Witherspoon, je crois que c'est comme ça son nom. Je ne sais pas du tout en fait ce qu'ils lisent dans ce book club, donc je vous avoue que je ne connaissais pas. Mais c'est plutôt l'avis d'Emmy Fox qui m'a fait rajouter ce titre-là et je n'ai jamais lu cet auteur ou autrice, je ne sais pas.
Donc voilà, je me suis noté celui-là et après j'ai mis deux titres qui clairement, de base, c'est aussi les couvertures qui m'ont fait un petit peu tiquer. Le premier titre c'est The Book of Cold Case de Simone St. James et comme vous pouvez voir dans le titre, c'est des affaires qui n'ont pas été résolues en fait, qui vont être de nouveau amenées. Tout ce qui est cold case comme ça, je trouve ça intéressant. J'aimais bien les séries où on pouvait justement en voir et ça me rappelle un petit peu les enquêtes du département V si jamais vous avez lu aussi cette saga. Mais voilà, je me suis noté celui-là, je me suis dit que ça pourrait être sympa et j'ai également noté The Paris Apartment de Lucy Foley. Je l'ai vu passer également pas mal sur les réseaux sociaux, donc c'est aussi pour ça que je l'ai noté. On verra bien si jamais je le lis, mais j'ai vu quand même de bons avis sur celui-là. Donc le premier qui est sûr quasiment, je pense que ça va être le Gillian McAllister parce que j'ai trop envie de le découvrir et vu les avis qu'Emily Fox a donné, voilà, forcément je suis un petit mouton et j'ai très envie de le lire. Alors ensuite j'ai noté pour la catégorie historical fiction, alors j'ai vu qu'il y avait un titre de Kate Quinn qui était encore en finaliste mais je pense que je le lirai peut-être si ça sort en français parce que j'ai déjà notre titre de Kate Quinn dans ma palle que je ne l'ai pas lu donc je préfère attendre avant d'en rajouter. Mais j'ai noté le Taylor Jenkins Reid bien sûr qui est Carrie Soto is the back, surtout que c'est sur un personnage que j'ai rencontré dans Malibu Rising que j'ai lu récemment. Donc forcément j'ai très envie de lire ce titre là mais j'attendrai qu'il sorte en paperback, je pense que c'est mieux l'année prochaine. Et voilà, j'ai trop hâte de lire un petit peu cette histoire sur Carrie Soto parce que ça a l'air d'être un personnage haut en couleur. Donc voilà, je me suis noté uniquement ce titre-là pour cette catégorie. Ensuite, pour la catégorie fantasy. Donc il y a la fantasy adulte et young adulte sont séparés, même si du coup je trouve qu'il devrait y avoir une catégorie new adulte. C'est un peu comme pour mon bilan de cette année en fait, j'aurais dû limite classer young adulte, new adulte et adulte parce que du coup... J'ai tout mis en young adulte, mais eux, du coup, ils mettent la fantasy new adulte en adulte. Donc, je sais pas trop comment classer ça. Enfin bref, du coup, pour cette catégorie, je me suis bien sûr noté Legends and Latte de Travis Baldry, qui est un titre que j'ai vu passer, mais à tellement sur tellement de comptes, sur Bookstagram, sur BookTok, partout, parce que c'est un roman, il me semble que c'est un one-shot, même si... Non, j'ai peur de dire des bêtises, mais je croyais que c'était sur ce livre-là qu'il allait avoir un autre titre dans le même univers, mais j'ai peur de dire de bêtises. Donc on va dire que c'est un one-shot, et il me semble en fait que c'est un livre limite extrêmement cosy dans un univers de fantasy. J'ai trop envie de lire, vraiment. En plus, la couverture de base est trop jolie, et en plus ils ont fait une édition également trop jolie. Du coup, si à un moment je me la prends, je ne sais pas laquelle je choisirai, parce que j'aime beaucoup les deux. Mais j'ai trop envie de le lire. En plus, je crois qu'il est pas si gros que ça, donc même si c'est de la fantasy, je pense que ça devrait passer parce que vu que c'est pas très gros, il y a moyen que ça passe en anglais. Et j'espère vraiment qu'il sera traduit en français parce qu'il a tellement fait le buzz en anglais quand il est sorti ce titre que j'espère que ça va être sorti quand même en français. Le deuxième titre, c'est The Very Secret Society of Irregular Witches de Sangu Mandana. Bien sûr, je me suis noté ce titre-là parce que c'est une histoire contemporaine de sorcières. Ça a l'air très très drôle. Donc voilà, je me suis dit que j'allais le noter. Peut-être que je le lirai durant l'année parce que ben, il me fait très envie. Donc voilà. Ensuite, alors là, j'espère qu'il sera traduit parce que clairement, je ne me vois pas du tout lire cette autrice et ce pavé en anglais. C'est Babel de R.F. Kuang parce que j'ai trop envie de continuer à découvrir cette autrice. Elle a dit dans les commentaires d'une vidéo que le tome 2 de La Guerre du Pavot était prévu, donc je suis très contente. J'espère vraiment que ça sortira vraiment 2023 et du coup j'espère que Babel sera également publié en 2023 parce que c'est un titre qui me fait trop envie. C'est un peu de Dark Academia donc forcément j'ai trop envie et c'est un one shot donc ça c'est bien. Ensuite il y a Crescent City, le tome 2 de Sarah Dimas, forcément j'ai prévu de le lire, je l'ai même inclus dans ma vidéo pile à lire hivernale que je vous ai postée sur la chaîne il n'y a pas longtemps. Donc forcément il sera lu. Et bien sûr The Lost Mythal de Sanderson parce que c'est le tome 7 de la saga Mistborn, donc Fils des Brumes en français. Et j'espère que ce sera traduit l'année prochaine pour qu'on puisse tranquillement le lire. Donc voilà, je me suis noté 5 titres pour cette catégorie parce que ben, je ne pouvais pas choisir entre les 5. Clairement ils me font tous envie. J'aimerais vraiment bien les lire l'année prochaine. Ensuite on passe à la catégorie romance. Et là j'en ai noté aussi pas mal. J'en ai noté 7. Il y en a 2. C'est des Colleen Hoover. Vous verrez sur l'écran, de toute façon je vous mettrai les couvertures, mais il y a Reminders of Him qui est de Colleen Hoover et It Starts With Us et j'ai trop envie de les lire. Je sais plus de quoi ça parle, il me semble qu'il y en a un des deux, je crois que c'est It Starts With Us, c'est
la préquelle, je crois, de Jamais Plus, si j'ai pas de bêtises. Enfin bref, j'ai très envie de les lire. Il y a le Emily Henry avec Book Lovers. Forcément, j'ai très envie de le lire. Je vous l'ai présenté du coup en réception il n'y a pas longtemps. J'ai trop hâte de continuer ma découverte de cette autrice. Donc ça, c'est les trois titres où je suis vraiment sûre de les lire. Ensuite, je me suis noté trois autres titres. Love on the Brain, je vous l'ai présenté aussi dans ma vidéo des titres en anglais que j'avais rajouté dans ma wishlist. Qui est du coup un titre de la même autrice que The Love Hypothesis qui vient de sortir en français il n'y a pas longtemps. Et je me suis également noté deux autres titres, Delilah Green Doesn't Care et Things We Never Got Over. Celui-là, je ne suis pas encore sûre. Pour l'instant, je pense que c'est parmi ceux que je me suis noté où je ne sais pas encore si je vais le lire. Mais Delilah Green Doesn't Care, il me tente vraiment bien au niveau du résumé, ça me tente vraiment vraiment bien. Et un titre que, au final, j'avais pas forcément vu beaucoup passer, mais là en ce moment, je sais pas, j'arrête pas de le voir. Est-ce que c'est parce que j'ai fait des recherches dessus, je ne sais pas. Mais c'est Every Summer After et j'ai trop envie de le lire au moment de l'été du coup. Je me dis que ça peut être vraiment chouette de découvrir ce titre à ce moment-là et voilà, j'ai entendu de très très bons avis dessus, donc forcément, je me suis rajoutée dans ma liste. Ensuite, on passe à la catégorie science-fiction. Et là, il y a deux titres. Alors, il y a un titre qui va sortir en français en tout début d'année, je crois. Je ne sais plus si c'est janvier ou février, mais ça va sortir chez les éditions Big Bang. C'est The Daughter of Dr. Moreau, donc ça sortira sous le nom La fille du Dr. Moreau. Alors, il me semble que c'est la même autrice que Mexican Gothic, si j'ai pas de bêtises. La couverture est absolument magnifique, j'aime vraiment vraiment beaucoup. Je sais pas de quoi ça parle pour celui-là, je vous avoue, j'ai uniquement mis ce titre-là parce que c'était la même autrice que Mexican Gothic, et même si j'ai pas adhéré plus que ça à Mexican Gothic, je suis quand même curieuse parce que l'autrice avait vraiment de bonnes idées, donc je suis curieuse de voir un peu ce qu'elle peut faire avec un nouveau titre. Et bien sûr, je me suis noté un Blake Crouch avec Upgrade. Moi, j'ai adoré les deux titres de lui que j'ai lus, donc forcément, je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner avec un nouveau roman, même si j'ai pas vu de très bons avis sur celui-là. J'ai quand même envie de me laisser tenter parce que c'est un auteur que j'adore et je trouve qu'il a de très bonnes idées et c'est toujours addictif en fait ces romans, donc je suis quand même curieuse de lire ce livre là. J'espère que ce sera traduit l'année prochaine. Pour la catégorie horreur, j'ai retenu un seul livre qui est d'ailleurs déjà publié en français aussi, c'est Hidden Pictures de Jason Rekulak. J'ai vu de très 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 bons avis sur ce titre là, je vous avoue qu'au début même la couverture et le résumé me tentaient pas plus que ça et j'ai tellement vu de bons avis dessus que je me suis dit que j'allais quand même me noter pour la catégorie horreur. Voilà, je suis un petit mouton, je me laisse également tenter et je me laisse également convaincre par les avis, mais là clairement je pouvais pas passer à côté, je veux au moins lui donner sa chance. Il reste ensuite deux catégories que je me suis notées, deux catégories qui concernent les titres Young Adult. Donc la première c'est Young Adult Fiction avec trois titres que je me suis notés. Alors au début j'allais en mettre 4, mais il y a un titre que j'aimerais bien lire limite avant la fin d'année, donc je m'en suis noté que 3. J'ai noté Anatomy A Love Story de Dana Schwartz qui est sorti en français chez, je ne sais plus, j'allais dire Pocket Jeunesse mais je suis pas sûre, Michel Lafon peut-être. Il est sorti là pendant cet été je crois, j'ai vu de bons avis aussi dessus, ça m'intrigue vraiment beaucoup et la couverture est magnifique donc forcément ça aide. Ensuite il y a deux titres que j'aimerais bien également découvrir, c'est I Kissed Shara Willer de Cassie McKinston. C'est l'autrice de deux autres romans qui sont déjà sortis, il y a One Last Stop et en français les gars, c'est quoi, c'est My Dear Fucking Priest qui sont sortis tous les deux en français chez Lumen. Et là du coup il y a un autre titre de cet auteur qui est publié et je pense qu'il va être traduit l'année prochaine chez Lumen également, donc j'ai très envie de découvrir. Et le dernier c'est I Fell In Love With Hope de Len Kelly. Alors c'est un titre que j'ai vu énormément passer dans les tops des livres qui font pleurer, du coup bon bah je sais à quoi m'attendre, mais la couverture déjà elle est pas très joyeuse. Mais je sais pas, ça me tente, je sais pas, franchement j'ai pas vu le résumé, mais j'ai très envie de me laisser tenter également par celui-là. Ensuite pour la dernière catégorie qui est la catégorie Young Adult Fantasy SF, j'ai mis deux titres. J'ai mis que deux titres parce que bah, y avait par exemple le tome 3 de Skyward Sanderson que j'ai déjà lu. Je voulais mettre Only a Monster de Vanessa Lane qui avait été sélectionné au début mais il n'est pas parmi les finalistes, mais il me tente quand même bien.
Pareil pour So This Is Ever After de F.T. Lukens, qui me tente bien également, mais il n'est pas parmi les finalistes, donc tant pis. J'ai mis du coup pour les finalistes deux titres. J'ai mis Bloodmarked de Tracy Deon, qui est le tome 2 de Legendborn. J'ai beaucoup beaucoup aimé le premier tome, donc je me laisserai bien tenter par la suite en 2023, j'espère que ça sortira chez J'ai lu. Et je me suis également noté Belladonna de Adaline Grace. J'espère que ça sortira là chez Deux Saxus parce que c'est eux qui ont sorti Le Trône des Sept Îles de cette même autrice. Donc j'ai très hâte. Je pense potentiellement lire ce livre-là autour de la rentrée septembre ou autour d'Halloween parce que c'est un titre qui a l'air un petit peu flippant. Donc voilà, je me suis noté ces deux titres-là. Donc voilà un petit peu pour ma sélection pour les Goodreads Choice Awards. J'espère que j'arriverai à me tenir un petit peu à cette liste et que j'arriverai à découvrir pas mal de ces titres. Je suis quand même assez ravie de les sélectionner parce qu'il y en a pas mal que j'ai très très envie de lire. Il y en a d'autres qui n'ont pas été sélectionnés parmi les finalistes, donc je suis un peu triste. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas grave, je finirai par les découvrir, mais c'est juste qu'ils ne seront pas inclus dans le challenge Goodreads. N'hésitez pas du coup à me donner votre avis sur un des livres que j'ai présentés, si jamais vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y en a par exemple que vous aimeriez bien voir traduit en français l'année prochaine? J'espère en tout cas qu'il y en aura quand même pas mal qui seront traduits, parce que généralement quand ils font partie des finalistes Goodreads, c'est que c'est des livres qui ont très bien fonctionné sur la sphère anglophone. Donc forcément les éditeurs français vont quand même piocher dedans pour les sorties de l'année prochaine. Donc j'espère quand même qu'il y en aura pas mal qui seront publiés en français. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.